Bonjour mes tutisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça peut aller. J'ai un peu malade, j'ai été malade, j'ai attrapé une petite grippe. J'avais plus de voix, c'était catastrophe. Mais enfin, soit, ça va beaucoup mieux maintenant. Et du coup, je suis là parce que j'ai été au Salon du Livre à Bruxelles. Et du coup, j'ai fait quelques petits achats, pas beaucoup. J'ai que dans un tote bag. Voilà, déjà, si j'arrive à le prendre parce que c'est quand même assez long. Voilà le tote bag avec tous les livres qui est dedans. Il est trop beau. En plus, je l'ai eu là-bas. Le livre de poche. Voilà. Je vous montre le derrière. Hop. Il est trop beau. Et tous les livres sont dedans. Du coup, on va commencer par quoi? Par les petits livres que j'ai. Hop. Du coup, je me suis pris Mulan, comme ceci. De la collection Bibliothèque Rose. Hop. Il est trop beau. C'est l'histoire du film. Du coup, j'ai pas besoin de lire le petit résumé dedans. Enfin, à l'arrière. Et vous voyez, à chaque fois, on avait un petit cachet. Je sais pas si vous allez bien voir. On avait un petit cachet de la foire aux livres de Bruxelles 2020. Voilà. Voilà, haussement, ben, c'est comme toujours les mêmes. Ça change pas, mais j'adore cette collection là et je voudrais bien me les faire si j'arrive à me les faire toutes. Alors après, j'ai acheté le nouveau de la même collection En avant, le roman du film de la Bibliothèque Rose. Voilà, je me le suis pris parce que je l'avais vu. Du coup, je dis pourquoi pas. Après, je l'ai pas encore lu. Je pense, je sais pas, j'hésite de le lire avant le film. Je sais pas, je vais voir, je ne sais pas. Voilà, je vais les mettre là. Alors après, je me suis pris Votre temps est infini de Fabien A. Olicard. Olicard. Voilà, comme ça. C'est un youtubeur qui fait des trucs assez compliqués à faire. Voilà, et ça a l'air pas mal. Il y a beaucoup à lire dedans, je trouve. Voilà, je pense que je le lirai à petite dose. Voilà, il y a comment plier un t-shirt aussi, là je viens de voir. Plier son linge comme un chinois. Ouais, pourquoi pas. Il y a plein de petites astuces qui a l'air très bien. Par contre, je vois qu'il y a plusieurs livres de lui. Voilà. J'espère, parce qu'il est quand même assez... je ne sais pas combien de pages il y a là-dedans. 239 pages quand même. Voilà. Après, je vais sortir. J'aurais plus de chance d'essayer de sortir. Hop. Je me suis trouvé le grand Atlas de Disney. Oh, il est trop beau. Vous voyez les dorures. Comme ceci. Et alors, c'est celui que je voulais depuis un petit temps. Regardez là, juste en ouvrant, avec tous les Disney dessus. J'adore. Je le cherchais, enfin je le voulais depuis un temps. Je voulais l'acheter. C'est de chez Hachette Jeunesse. Hop, si je trouve, si je peux voir une page. Bon, on va faire la page de Dumbo. Voilà, Dumbo, ça se passe comme ceci. Et sur la deuxième page, je sais pas si vous allez voir, je vais descendre un tout petit peu. Si vous, hop, vous avez le pays. Enfin, c'est ça. Le cirque complet de Dumbo. Et ça a l'air pas mal. Et c'est ça, comme ça, avec tous. Là, c'est Alice. Et vous avez aussi Alice. Voilà. C'est trop bien fait. J'adore. Je pense me le faire dans pas très longtemps, ce livre-là. En plus, que je le voulais depuis très longtemps. Et ça n'a un hardback. Ça, c'est chouette. Voilà. Après, je vais faire les trous. Ouais, les 4 BD que je me suis fait. Désolée de tousser. Pas trop cher. C'est les Schtroumpfs. Voilà. Je les ai eu pour 4,99€. Je trouvais pas ça cher. Du coup, je me suis pris. Comme ça, je me ferai des petites BD. En plus, bien sûr, on a le petit formulaire pour commander. Si, c'est le Spirou. Ouais, le petit Spirou. Voilà. Du coup, j'ai pris celui-ci.
le mensonge du schtroumpf. On va continuer dans le schtroumpf. On ne schtroumpfe pas le projet. Voilà. J'aime bien les... J'ai jamais... pas eu trop l'occasion d'en acheter. Du coup, voilà. Bah, j'en ai déjà deux pour commencer ma collection. Après, j'ai pris le petit Cédric. Enfin, seul. Voilà. Là, tout le monde connaît l'éditeur du puits. Du puits, voilà. Et c'est écrit par Lauder Couvin. Voilà. Il y en a tellement chez Drake. Il faudra que je regarde une fois pour aussi me les procurer. Et puis j'ai pris le petit Marsipilami. Parce que ça, c'est quand même de chez nous. Du coup, ça aussi, je vais me faire. J'adore déjà quand on ouvre juste la première page. C'est trop beau. J'adore. Et les dessins sont trop jolis. Le problème, c'est que quand tu lis ça, ça va tellement vite que tu n'en profites pas assez à mon goût. C'est tellement petit. Du coup, voilà. Mais là aussi, il y en a tellement de Spirou que j'aimerais bien aussi me les faire une fois. Voilà. Après, j'ai deux livres les plus beaux de toute ma collection. Enfin non, j'en ai déjà un de cette collection-là. C'est celui-ci. Pixie. Il est trop beau, regardez ce livre, il est trop beau. Bon, ça parle un peu sur les elfes. C'est la petite perle des fées. les éditions, je ne sais pas vous dire. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est un peu à l'ancien temps. Ça parle vraiment de l'univers des petites... Regardez ça que c'est trop beau. Les petites ailes fées. Comment ils fabriquaient leur truc avant. Et du coup j'ai craqué. C'est un objet de livre magnifique. Regardez celui-là en couleur. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. Mais il est trop beau. J'adore. Oh là, avec des petits furets. J'avais même pas vu. Oh, c'est trop chou. Voilà comment ils faisaient. C'est à lire aussi. Je vais pas traîner à le lire parce qu'il n'y a pas beaucoup à lire, je trouve, dedans. Du coup, je crois que je vais me faire ça dans un moment à l'autre. Oh, regardez celle-là. Faut que j'arrête de montrer parce qu'après, je vous spoil tout. Mais c'est un beau objet livre. Voilà. Je vais pas parler de la quatrième de couverture parce que c'est... ça parle juste de comment fabriquer... comment ils élevaient les animaux, tout ça. Je n'ai pas envie de vous spoiler trop. Voilà, je trouve trop mignon quand même. Après, j'ai craqué pour... Enfin, au début, j'avais craqué pour celui que je vais vous montrer là maintenant. Il est trop magnifique, ce livre. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le reflet de la lumière et tout ça. Mais il est trop beau. Et le derrière aussi. Et le truc argenté, il est trop mignon. Et alors, il y a une... J'ai eu un marque-page avec. Et celui-là, j'ai une dédicace dedans. Parce que j'ai vraiment pas fait beaucoup de dédicaces. Voilà, j'ai une belle dédicace juste ici. Mais regardez, celui-là, je l'ai trouvé l'autre fois. J'essaierai de vous montrer. Mais c'est un beau objet aussi de livre. Vous avez la page avec le dessin, le texte à côté. Voilà, c'est celui-là que je vais vous montrer. Regardez cet oiseau qui est trop beau. J'adore. Je suis amoureuse. Et puis, vous à côté, vous avez le texte comme toujours. Mais c'est un beau objet livre. Et ça parle de l'ancien temps aussi. Et le titre, c'est... L'encyclopédie de la magie. Enchantée, sorcière et créature magique. Wow, qu'il est beau. J'ai envie de me le faire aussi celui-là. Bah, je pense qu'il sera dans mes livres à lire. Enfin, au plus vite. Et après, je voulais vous montrer parce que je ne sais pas si vous l'avez vu déjà. Mais l'année passée, j'ai acheté la même collection que ceux-ci. Parce que j'en ai deux. C'est de la même collection. Voilà. Et l'année passée, j'en avais acheté un que j'avais craqué. Parce que ça compte, c'était les contes. Les contes merveilleux.
merveilleux. Voilà, comme celui-là. Mais il est trop beau celui-là. J'avais craqué parce que c'était Alice et le chat Cheshire, si vous le voyez bien. Le petit lapin, là, juste là. Il est trop beau. Et tous les petits gourmands, juste en, là, vous avez des petits gâteaux, des petites pommes. Là, il y a une boîte ici qui s'échappe de tous les biscuits. Il est trop beau aussi. Et ça parle de tous les contes. Mais quand vous l'ouvrez, déjà, regardez juste là. Regardez ça, que c'est magnifique. Ce dessin, je suis amoureuse de ces livres. Les créations sont magnifiques et c'est tous les contes. Ici, c'est La Belle au Bois Dormant. Regardez, Belle au Bois Dormant, comment ils l'ont dessiné, trop beau avec les couleurs roses comme ça. Il y en avait un autre que j'aimais bien, c'est tous les contes. Il y a quand même beaucoup à lire dans ceci. Vous avez quand même la photo, la demi-page et puis encore une page. Allez, le chapeau rouge. Regardez comme elle est super bien faite. Elle est trop belle. Si je vous trouve le lien de ces livres, je vous écris de le mettre en bas d'infos parce que c'est des livres franchement à avoir dans sa bibliothèque. Ils sont trop beaux. Je suis amoureuse. Ça, c'est pas. Je sais pas c'est qui, mais elle est trop belle aussi. Voilà. Et il y a un peu tous les contes. Hop, on voit pas vraiment tout. Hop, hop, hop. Voilà. Moi, je craque ces chats quand je vous fais pas. Je joue souvent sur celle-là. Mais je l'ai pas lu encore non plus parce que il y a beaucoup à lire dans celui-ci et ça me fait un peu peur. Du coup, maintenant. Il y en a un quatrième que je voulais aussi, mais après je dis non parce que c'est pas quand même des livres donnés parce qu'ils sont quand même. Celui-là, je sais pas le prix, mais celui-là c'est 30 euros et celui-là c'est aussi 30 euros. Moi, je pense que l'autre aussi, ça doit être une trentaine d'euros aussi. Du coup, c'est quand même des livres pas donnés, mais un temps en temps, pourquoi pas. Et si j'en avais pris deux parce que j'avais trop envie. Voilà, ben, je vous ai montré tous mes petits achats. J'en ai pas acheté des masses parce que monsieur ne voulait pas. Pourtant j'avais plein de petits livres romans que j'avais envie de me trouver, mais j'ai pas trouvé. Je vous ai pas montré, c'est le petit marque-page. Il est trop beau, c'est des cons. Ah ben ils ont Twitter. Je vous mettrai peut-être le lien Twitter et Facebook dedans, sur la barre d'infos. Bon, du coup, dites-moi en commentaire quel livre vous préférez vous procurer. Voilà, lesquels que je devrais lire en premier, surtout. Bah, c'est tout. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Allez voir et venez nous rejoindre. Parce que pour ceux qui me suivent sur YouTube, Instagram, l'ont déjà vu les livres. Parce que dès que je suis rentrée, je crois que je les ai mis sur Instagram. Ils sont tellement beaux que voilà. Et j'ai pas pu... bah, les montrer directement. Voilà. Et j'espère que ça vous plaît toujours, les vidéos de livres. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me mettre un petit commentaire. Et je vous réponds avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.